Et bonjour à tous. Mon prénom c'est Florian, je fais partie de l'équipe Million Step qui va s'attaquer à la grande course du Yukon Arctic Race. J'ai 37 ans, je travaille et je vis en Allemagne pour une société aéronautique. Et voilà, en Bavière, donc c'est mon terrain d'entraînement de prédilection. Je cours environ depuis 10 ans. J'ai commencé bien sûr comme tout le monde par la route. Même si je ne suis pas du tout un spécialiste de la route, je ne suis pas quelqu'un de rapide et qui aime trop ça. Donc très vite, j'ai commencé à parcourir les trails, les sentiers et puis la montagne. Donc j'ai commencé avec le marathon de la Grande Muraille. Donc c'est le marathon de la Grande Muraille. Quand je vivais en Chine, avant mon expérience en Allemagne, j'ai vécu 10 ans sur place avec ma femme et mes animaux. Deux chiens et un chat. Voilà, c'est le marathon de la Grande Muraille que j'ai fait deux fois, qui m'a donné le goût au trail running, et depuis, j'ai jamais lâché. J'ai commencé cette aventure avec le projet Million Steps dès le départ, avec la Diagonale des Fous 2019. On est arrivé au bout, on était associé avec la Fondation des Maladies Rares, on l'est toujours, et on a récolté des fonds pour eux, donc on était très contents. On est allé au bout en groupe, on était 13 personnes, tout le monde a franchi la ligne d'arrivée, donc on était très heureux. Après, dans des temps différents, mais bon. Pour moi, c'était mon premier ultra aussi difficile. Voilà, et puis maintenant, on va s'attaquer au Yukon Arctic Race, à un autre niveau, mais un autre environnement aussi, dans le froid. Mais voilà, ça fait partie des beaux projets, des rêves. Donc, qu'est-ce que je veux apporter à ce projet? Moi, je veux surtout apporter mon optimisme. Ma vision positive des choses. Voilà, on est bien, on a de la chance de faire ce qu'on fait, on a la chance d'être vivant, et puis voilà, profiter des paysages et des moments que la nature nous offre, et puis profiter de l'émulation de groupe aussi, parce que on a un super groupe, et on espère que cette émulation de groupe nous amènera au bout de ce projet.